Salut, ça va? Ah d'accord, ça zoome. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est dimanche et je stresse un peu pour le montage de la vidéo, mais je sais que je vais y arriver. Hein? When you believe, you achieve. Donc là, je vais aller chercher un converter. Je vais aller chercher Ouais, là. parce que je sais pas, l'accent il est venu, du coup je Je savais vais pas aller. comment le bloquer, l'accent français. Je vais aller chercher là. Du coup c'est sorti comme ça. Ben. Bref, donc je vais chercher un converter pour pour vous monter le vidéo. Le vidéo, Je je vais voulais aller dire chercher le le converteur. vlog, le vlog, je voulais dire. Montre la Donc main, vous montez le vlog. Ah ben la ban. L'auteur, compositeur de Ah bah là ben quand même, hein, Oh. attention, je vais Oh, bah mettre un petit applause. c'est gentil. Voilà. Bonne vidéo! MC in the making, on est en route pour Whistle Créole, on va faire MC ce soir. Je vais vous montrer ce que c'est que d'être MC, pourquoi pas? Allons découvrir ensemble ce métier. Hein? Ça fait super longtemps que je fais ça, moi. Et donc ce soir, c'est pas la première fois, non, pour la deuxième fois, animer une soirée ensemble. Et c'est plus fun quand on est à deux, allez, Ouais, dis. non, c'est clair. Moi, j'ai pas fait ça souvent, du coup, ben, c'est pas un truc que je maîtrise, quoi. Mais bon. Donc MC, en gros, it stands for Master of Ceremony. Donc Ah c'est bon? nous qui allons. Mais oui, je sais pas. Et si, je t'en Oh. connais. Et donc on va animer la soirée. Donc il y aura plein de trucs qui vont se passer. Et moi j'adore. Et je parle beaucoup avec mes mains parce que j'ai mis mes fake nails. And it's lit, right? I love it. AliExpress. Ah. This is not an ad. Yeah, why speaking English? I don't know. Donc là, on nous explique, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, etc. Allez, je vous fais tout. C'est ça le travail du mannequin. Donc c'est bon, on a nos paperasses, on a été briefés. Tu es prêt? Adieu mes cheveux. Vous voyez la vie, j'ai les cheveux bouclés. Donc permanence vérifiée parce que ça va en tous les sens. Rudy. Donc voilà, on est prêt. Et what was the. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. C'est pas intéressant, mais je raconte quand même. En fait, j'ai perdu un ongle. Et du coup, j'ai dû aller chercher de la colle. Et j'ai eu de la colle extra forte. Donc ça va jamais sortir. Et mes cheveux sont ok là. Mes cheveux sont top. Moi, je sais pas trop. Mais c'est mon frère. Et ils veulent m'attacher un peu. Alors, make-up done, maintenant on fait des répétitions. Je fais défiler pour vous. Allez, go! J'attends mon téléphone sonner parce que normalement. Je suis censée faire une intervention à la radio. Radio 1. Juste après le défilé. Alors, bon, apparemment, il y a un petit ralentissement au niveau de Cascavel. Donc, ceux qui sont en route, c'est bon à savoir. Donc, voilà, voilà, ça promet quoi. Je mange et après, on va commencer le défilé.
je vais vous dire un truc. Ah oui, je pourrais pas tout filmer parce que je serai occupée. On va faire MC, donc on se retrouve après, du coup, après le MC Think pour un débrief. Back. Hey, ben voilà, en fait, comment ça s'est passé. J'ai pas pu vous emmener dans l'événement as such parce que ben, il n'y avait personne pour filmer vu que j'attrape pas. I am my own selfie stick, you know. Donc je pouvais pas faire les deux choses en même temps. Mais voilà, en gros, tout s'est super bien passé. Il n'y a eu aucun problème technique, aucun souci au niveau de l'organisation, ce qui est rare dans les événements en général. Et aussi, bon voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce que c'est que le métier de MC, Master of Ceremony. Les steps à suivre pour faire un bon MC, c'est, vous devez d'ailleurs ne pas être timide, voire pas aller devant les gens. Vous devez vous préparer, il faut tout le temps être préparé, else you're prepared to lose, you know, or to fail, whatever. Mais ouais, donc il faut tout le temps être bien préparé, connaître son sujet. Par exemple, hier c'était dans un endroit spécifique et c'était pour justement promouvoir cet endroit. Et du coup, il faut faire des recherches, il faut savoir de quoi on va parler, on va pas juste parler, juste pour parler, tu vois. Donc il y a toute cette préparation à faire avant le show. Pendant le show, il faut être concentré parce qu'il y a plein de gens qui dépendent de ta directive. Parce que vu que c'est toi qui lance le programme, ben, tout dépend de toi. Si tu fais une erreur, si tu dis mal le nom de quelqu'un ou quelque chose comme ça, ça, ben, ça foire le truc complètement. Donc tu as cette pression là, mais ça va, si tu es bien préparé, ça va, ça passe crème. Et puis, ben, après l'événement, you celebrate, hein? Voilà, voilà la petite vidéo pour vous ce dimanche. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, bien sûr, comment down below. Ou alors, like, pas ou alors, et alors, like, share, comment, subscribe to my channel. Et la semaine prochaine, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Je vous dis rien. Je vous laisse attendre une semaine. Hein? Allez. Ciao, bonne semaine. J'ai besoin des B-rolls, ok? C'est bon, j'ai ah, B-rolls. B-rolls, petit gazon. Monsieur, tu vas casser. B-rolls, B-rolls, petit les pieds. Espadrilles. C'est bon, merci. B-rolls. Ah, ça va, hein? Je me tiens tout ça là. Yo! Assez! Attends, mets tes mains là-haut. Ouais. Transition.